Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce deuxième webinaire hein, de la série sur les bases de la formation multimodale, les fondamentaux. Donc la semaine dernière, on a fait un tour d'horizon, des technos, des ressources, etc. Cette semaine, on rentre un petit peu plus dans le détail avec Jean-Luc Peuvrier sur les aspects juridiques. Et puis, donc, troisième et dernier volet hein, qui sera lundi prochain. De nouveau avec Guillaume Saint-Jean, où on reverra les aspects plutôt pédagogiques de la formation multimodale. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Je pense que vous avez tous des codes d'accès, tout ce qu'il faut. Je vous ai laissé sur le chat à la fois le mail de Jean-Luc ou le mien, si jamais vous avez des soucis pour accéder à votre espace, on continue à former. Et puis, alors moi, je reste en ligne, hein, j'enlève ma caméra et mon micro et je regarde le chat. Posez vos questions sur le chat et puis je reviendrai vers vous, le cas échéant s'il y a besoin. Merci, à plus tard. Bien, eh bien donc, je prends effectivement sur le relais de ce deuxième webinaire. Donc, moi, je suis Jean-Luc Peuvrier, je dirige donc le cabinet de Stratis, et donc, Guillaume est également cabinet en tant que formateur consultant. Jean-Luc, excuse-moi, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez Jean-Luc? Parce que moi, je ne t'entends quasiment pas. Ah, c'est très embêtant tout ça. Dites-nous dans le chat si ça vient peut-être de chez moi, hein. Ouais, je pense qu'on t'entend peu. Alors, je ne sais pas si tu as possibilité de mettre ton micro, tu sais, dans l'audio de. Est-ce qu'on est mieux comme ça? Voilà, là, c'est mieux comme ça. Bon, c'est vraiment un problème Je de ne sais pas si c'est captation mieux. du micro. Dites-le sur le chat aussi si c'est mieux, parce que si on ne t'entend pas pendant 1 heure, ça va être compliqué. Ok, c'est mieux. Bon, bah alors, c'est pas extraordinaire de tenir le truc comme ça, mais le principal, c'est que vous Voilà, moi j'étais m'entendiez. obligé. Peu Ouais, je suis importe. désolé. Oui, non, c'est pas gênant pour moi. Ok, comme le disait Christophe, on s'intéressait effectivement à des questions, des questions règlement sur ce deuxième webinaire, en parlant de cadre juridique, effectivement, de la formation ouverte à distance, à la fois pour la formation continue et pour l'apprentissage. Alors, je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un avocat, donc on va rester sur un discours, du coup, ça peut-être en rassurer certains, compréhensible de tout le monde. Alors, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je ne saurais pas, sur des questions très précises, où je ne saurais pas répondre, mais vous verrez qu'il y a des ressources complémentaires que j'ai préparées, que vous trouverez donc dans la plateforme, de façon à pouvoir aller un peu plus loin. Et puis on pourra, si jamais il y a des points précis, voir comment vous apporter des réponses à cela. Alors, avant de démarrer sur ces sujets de réglementation, Guillaume, vous avez proposé à la fois pour ceux qui étaient là la semaine dernière et qui ont trouvé un petit peu de temps pour répondre, j'ai trouvé un message sur le forum, merci. Et ceux qui ont trouvé un petit peu de temps pour consulter les deux vidéos, enfin qui étaient des animations vidéo sur à la fois le modèle Competis et sur SAMR. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions par rapport à ces deux sujets qui étaient effectivement des sujets complémentaires sur le premier webinaire d'introduction qui lui posait un petit peu les bases de la multimodalité, sachant que ces deux modèles, Competis et SAMR, sont très importants pour nous. Hein. Enfin, quand je dis pour nous, c'est en tant que, on va dire, qu'ingénieur support, ingénieur pédagogique, pour en place des dispositifs de formation. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez éventuellement nous dire si ça a amené des questions, des interrogations, si éventuellement vous avez reconnu un dispositif que vous avez déjà mis en place ou que vous envisagez de mettre en place, pardon. Je vous laisse une petite seconde éventuellement pour nous indiquer ça, si ça a amené des questions. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps, hein, en fait, de regarder. L'intérêt, je crois qu'on vous l'a dit certainement au premier webinaire, c'est que tout ce qui est mis en ligne, et notamment sur les bases de la multimodalité, vous êtes inscrit dans ce.
vous êtes inscrit dans le cours qui correspond à ce webinaire et donc vous pourrez sûr y retourner à tout moment. On s'en occupe, on nous dit. Ah non, c'est pardon, j'avais pas vu que c'était une réponse de Christophe. Ok, donc pas de question particulière si je comprends bien. Alors vous retrouverez, n'hésitez pas parce que vous retrouverez un espace de discussion sur la plateforme qui est là justement pour recueillir vos questions, vos interrogations, vos remarques comme je le suggérais effectivement tout à l'heure. Et puis donc moi en fin de semaine dernière, je vous ai adressé un petit document de lecture pour, alors, qui n'était pas forcément à lire dans son intégralité. Donc ça permettait aussi de vous immerger un petit peu sur ben, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par effectivement formation? Comment est-ce que l'on perçoit un petit peu les choses, sachant qu'on va revenir dessus quand même sur les points, mais principalement les points qui nous intéressent autour de la formation ouverte à distance. Donc, sur cet article, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous invite à réagir peut-être par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez lu? J'espère que vous aurez eu le temps effectivement d'en prendre connaissance. Hein. Donc à nouveau, l'article était accessible sur la plateforme de formation. Donc je redis à l'attention de tout le monde ce que j'évoquais tout à l'heure. Si certains d'entre vous n'ont pas les codes d'accès pour la plateforme de formation, vous mettez un petit mail et je vous renvoie tout ça dès la fin de notre webinaire. Peut-être que vous n'étiez pas là au premier et dans ce cas-là, bien sûr, il est nécessaire ou peut-être que vous l'avez perdu tout simplement entre-temps. Non, pas de questions sur l'article lui-même. Bah, écoutez, on va enchaîner hein, dans ce cas-là puisque donc aujourd'hui, on a prévu effectivement de parler. Voilà. Ce petit schéma que Guillaume vous l'a présenté, enfin cette réalisation, Guillaume vous l'a présenté la semaine dernière. Simplement, elle a pour objectif de rappeler que un dispositif de formation multimodal, plus que tout autre dispositif de formation, c'est vraiment un système. Et un système dans lequel une seule des composantes ne peut pas être défaillante. En gros, et c'est pour ça la raison de l'engrenage d'horloge pour pouvoir effectivement comprendre cette approche systémique, c'est que si un seul des engrenages effectivement bloque, eh bien la formation ne fonctionne pas. Donc on va s'attacher bien sûr aujourd'hui. Alors, voilà. On va s'attacher aujourd'hui, bien sûr, à l'un des éléments du système que sont les contraintes légales. Ça a toujours été une particularité en France, bien sûr, particulièrement, puisque la formation est quelque chose de très encadré, que ce soit bien sûr la formation initiale, le scolaire, le supérieur d'un côté, mais la formation professionnelle continue. Adultes au sens large, et bien sûr très encadré depuis les lois de 71, fixer les règles. Ça a évolué et ça a surtout énormément évolué, comme bien évidemment vous le savez, avec la réforme donc du gouvernement en place, donc réforme du 5 septembre 2018, qui avec la loi Choisir son avenir professionnel, qui a chamboulé quand même beaucoup de choses et qui va continuer de créer du mouvement, si je puis dire, dans le monde de la formation. Alors, ce cadre juridique, il a quand même une certaine facilité. Il a quand même, on va dire, il y a des éléments facilitants dans le sens où formation professionnelle continue et apprentissage vont être en l'occurrence à regarder de la même façon. Alors, je vais m'appuyer, moi, pour vous parler, rentrer dans des éléments un petit peu, on va dire, plus précis sur ce cadre réglementaire. Je vais m'appuyer sur quelques qui nous viennent de notre collègue, quand je dis collègue, c'est parce qu'on travaille assez souvent ensemble, c'est le cabinet Fromont-Brien, ce qui est un cabinet à la fois basé à Paris et à Lyon, spécialisé en droit, cabinet spécialisé en droit social et qui a, on va dire, la particularité d'avoir un pôle droit de la formation
pôle très actif et dont Sabrina Dougados, qui est la responsable de ce pôle, est venue nous parler il y a de ça un petit peu plus d'un mois, dans le contexte particulier, effectivement, de la crise de COVID-19 et donc notamment on va dire, de toutes les ordonnances et adaptations qui ont été proposées dans le cadre enfin pour la formation dans le cadre de cette crise sanitaire. On a ici effectivement un certain nombre d'éléments de support et vous trouverez dans la plateforme de formation le webinaire en intégralité que l'on a réalisé donc au mois de début avril, je ne sais plus exactement, donc avec Sabrina Dougados. Alors, qu'est-ce qui est important dans le cadre réglementaire? C'est bien d'avoir en tête déjà quelles sont les modalités de sa mise en œuvre. Et notamment, et ça vous l'avez lu, donc je pense à travers l'article que je vous avais proposé, c'est qu'une action de formation, donc elle a pour but effectivement de permettre d'acquérir des compétences. On a des prises en charge qui peuvent être différentes. Ça reste particularité, malgré tout, que ce soit général, mais peut-être de façon plus exacerbée pour la formation ouverte à distance. On garde ce terme-là, hein. On a bien sûr beaucoup parlé de multimodalité, on parlera toujours beaucoup de multimodalité. Pourquoi j'utilise moi encore FOAD, formation ouverte et à distance? C'est parce que c'est en l'occurrence le terme qui est resté dans les textes de loi. Donc, de le citer et de l'utiliser quand cela est nécessaire. Alors, donc on a effectivement tout un ensemble aujourd'hui de possibilités pour construire un parcours pédagogique, donc avec des moyens humains, des moyens techniques, avec des différentes ressources pédagogiques qui peuvent extrêmement varier. Et ça, c'est quand même une des grandes nouveautés effectivement de cette réforme. Ceux qui s'intéressaient déjà à la FOAD peut-être déjà connaissance qu'il y avait des avancées hein, sur les années précédentes, 2014 hein, déjà, 2014 c'est l'inscription de la FOAD dans la réforme de l'époque pour la formation professionnelle continue et exclusivement pour la formation professionnelle continue. 2 ans après, en 2016, avec la loi El Khomri, comment dire, l'apprentissage avait pu accéder de façon, quand je dis avait pu accéder dans le cadre réglementaire, hein, ça n'empêchait pas bien sûr de faire de la formation à distance, mais cette formation à distance n'était pas reconnue, sauf cas cadre expérimental, elle n'était pas reconnue comme faisant partie du temps de formation de l'apprenti. Donc en 2016, on a eu ça, et puis donc la loi de 2018 en fait reprend toutes ces avancées-là, les simplifie d'une certaine façon et permet, comme vous le voyez ici, en précisant que la réalisation de l'action de formation peut être organisée, voilà, juste en dessous, pardon, dans les modalités, l'action de formation peut être réalisée tout partie à distance. Donc ce n'est pas plus compliqué et ce n'est pas plus clair à l'inverse que ça, tout partie à distance, ben, de 0 à 100. Donc tout est également ouvert aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment notre propos, mais si on veut parler de multimodalité, il faut effectivement penser, bien qu'on soit simplement en phase de démarrage de ces actions de formation en situation de travail. Donc, quand on dit elle peut également être réalisée en situation de travail, ce sont les fameuses AFEST, actions de formation en situation de travail, qui font partie désormais du parcours de formation, du parcours pédagogique, et donc vont pouvoir venir compléter les formations présentielles, les formations à distance et les formations en situation de travail. Synchrone, asynchrone, des choses que Guillaume a déjà dû évoquer avec vous et sur lesquelles sinon il reviendra certainement lundi prochain. Donc ce qui est intéressant dans cette première diapo, c'est de retenir les différentes modalités de formation à partir du moment où elles permettent d'acquérir des compétences. L'objectif d'apprentissage, il doit y avoir effectivement des objectifs d'apprentissage et des moyens de vérifier ces objectifs d'apprentissage essentiels. Alors justement, sur ces modalités, la FOAD est reconnue comme une des modalités pédagogiques. Donc, comme on vient de le dire, elle peut être réalisée tout ou partie à distance.
n'y a pas de règle, c'est vous qui allez déterminer en tant que formateur, en tant qu'organisme de formation, quelle est la part de distance et comment cette distance va être proposée donc, à vos apprenants. Donc vous voyez également qu'il n'y a pas de restriction du coup maintenant sur les dispositifs en fait d'accès à la formation. Alors, donc le CPF, le compte personnel de formation, le PDC, il faut s'y habituer, on parlait de plan de formation, maintenant c'est le plan de développement des compétences. Les CTP, j'ai un trou d'ailleurs sur CTP, juste quand j'allais le dire, si quelqu'un peut m'éclairer dans le chat, j'ai un trou de mémoire juste au moment de le dire, on sera sûrement de revenir en discutant, mais je ne doute pas que quelqu'un me glisse ça habilement dans le prompteur, hein, comme on dit. Voilà, merci, merci à Sandra, certificat de qualification professionnelle. Et puis donc l'apprentissage, donc qui est soumis aux mêmes conditions. Toutefois, pour réaliser effectivement une FOAD, il faut répondre à trois conditions. Et ça, ces trois conditions, elles sont vraiment indispensables. Elles ne sont pas très complexes parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois une facilité que nous a proposée. Peut-être le faire exprès, mais dans tous les cas, une facilité à laquelle on est soumise, c'est-à-dire que le législateur n'a pas voulu être trop précis, contrairement effectivement à ce que l'on avait dans le précédent décret, c'est-à-dire le décret de 2014, qui lui était très précis sur la façon dont on pouvait réaliser et sur les preuves qu'il fallait être capable d'apporter. Là, c'est beaucoup plus ouvert que ça, vous allez voir. Donc, première chose, comme vous le voyez, une assistance technique et pédagogique. Alors ça a fait un peu bondir tous les pédagogues que nous sommes et que vous êtes, parce que derrière le terme d'assistance, on perd la notion d'accompagnement. Cette notion d'accompagnement, c'est vraiment le travail du formateur. L'accompagnement, qu'on appelle aussi tutorat, quand c'est réalisé effectivement dans le cadre d'une formation à distance, on parle de tuteur à distance le plus souvent, et quand on dit le tutorat en matière de formation à distance, c'est effectivement l'accompagnateur dans un dispositif de formation à distance, le formateur dans son rôle d'accompagnateur. Donc ça a été un petit peu dommage, on peut le dire comme ça, de perdre ce terme d'accompagnement pour le ramener à simplement une assistance technique. On a l'impression simplement que c'est un numéro de SAV, et ma foi, je ne sais plus, j'ai un SAV qui va m'aider à résoudre l'équation. Bien évidemment, la formation, c'est un petit peu plus que simplement de l'assistance. Heureusement, elle est technique et pédagogique. Et puis, vous voyez que ce qui est écrit derrière, approprié pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours, tout est possible. À vous de construire le dispositif d'assistance technique et pédagogique qui doit devenir sous votre plume, en fait, hein, qui doit devenir un vrai dispositif d'accompagnement et de tutorat à distance. Et donc là, effectivement, c'est vous qui êtes en capacité de l'enrichir. Vous voyez, le texte, lui, est simple. Deuxième point, une information du bénéficiaire. Alors, sur quoi? Sur les activités pédagogiques effectuées à distance et sur leur durée moyenne. Je reviendrai juste après, dans 5 minutes, sur les durées moyennes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on propose un parcours avec de la distance, eh bien, on doit être en capacité de dire qu'est-ce que l'on attend de la part des apprenants, quelles sont les activités qu'ils ont à réaliser, la production qu'ils doivent rendre, quelle est livrable en quelque sorte, et quelle est la durée moyenne estimée pour le réaliser. Je ne peux pas dire, vous devez faire, comment dire, faire une synthèse de texte, et m'en tenir là. Je dois, en tant que formateur, la durée de réalisation de cette synthèse. Pour le stagiaire, c'est un élément, on va le voir après, qui a bien sûr son importance dans le conventionnement, puisqu'à un moment donné, il va falloir que vous conventionniez avec les financeurs ou avec vos clients par rapport à des durées de formation. On reste dans des durées de formation. On ne facture pas au pourcentage de compétences, à la de compétences. Ça ne saurait pas le faire aujourd'hui. Certains évoquaient il n'y a pas très longtemps encore une espèce d'engagement de résultat. C'est très compliqué en formation.
Je reviendrai sur la, Bertrand, sur l'histoire de durée moyenne, effectivement, pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. Et donc, le troisième point, eh bien, je dirais qu'il va falloir, on a défini un parcours, on a une assistance, il y a des activités à réaliser. Le troisième point, c'est d'évaluer la façon dont nos apprenants progressent dans le parcours, pas forcément comme ils réussissent, mais tout du moins comme ils progressent. N'obtient pas bien sûr 100% de la meilleure note, mais je dois mettre en place des évaluations qui jalonnent le parcours et qui, à minima, parce que sur un parcours court, on ne va pas effectivement forcément faire une évaluation, imaginez sur une formation d'une demi-journée, forcément évaluer les personnes au milieu de la demi-journée, devoir les évaluer à la fin. Ça, c'est un. Ne perdez pas de vue, si jamais ça vous avait échappé, que, il y a des liens étroits entre similitudes, on va dire, entre ce qui est demandé en termes enfin, sur les exigences qui sont demandées en termes de FOAD et les exigences du référentiel Qualiopi, donc la certification nationale pour la formation, puisque notamment ces questions d'évaluation, et notamment d'évaluation en amont et à la sortie, font partie effectivement des critères qui sont aujourd'hui étudiés. Des règles donc qui ont été c'est déjà sous-entendu que l'apprentissage en faisait partie, mais donc le décret, comme vous le voyez, est paru il y a peu de temps, des règles qui sont complètement étendues donc à l'apprentissage. Alors, souvent de la part d'un financeur, notamment de la part des clients en direct, mais surtout de celui qui paye, c'est la question de savoir est-ce que la personne s'est bien formée. Parce que c'est évidemment c'est au cœur de l'actualité avec la question du travail à domicile et donc du télétravail aujourd'hui. Est-ce que véritablement les gens travaillent? Eh bien, depuis longtemps, je peux vous dire, on se la pose avec la for enfin nous on nous la pose avec la formation. Est-ce que véritablement les gens se forment? Et est-ce que la personne bien la personne pour laquelle on a contracté. Ça, c'est une autre question encore. Il faut donc, et là le législateur a été très à la fois et à nouveau très évasif et donc nous laisse nous débrouiller avec notre imagination pour fournir des éléments probants qui vont permettre preuve de réalisation de la formation. On reviendra juste après donc sur d'éléments probants que l'on peut imaginer fournir. Il n'y a pas une liste exhaustive. La liste, ça va être à vous de l'imaginer en fonction de formation, du mode que vous allez mettre en œuvre, en fonction des outils que vous allez utiliser, en fonction des activités que vous allez faire faire à vos stagiaires, en fonction de ces stagiaires eux-mêmes, de comment est-ce qu'ils sont équipés et donc de la façon dont on peut collecter un faisceau de preuves, donc on peut constituer un faisceau de preuves qui est, et ça c'est un élément important, qui est un faisceau que vous allez vous conserver. Ce n'est pas quelque chose qui est à fournir aux financeurs. Sachez que si vous avez demain un financeur OPCO ou autre qui vous demande de lui envoyer tous les résultats des évaluations, les productions qui sont écrites des stagiaires, etc., etc., vous n'avez pas à le faire. Par contre, vous devez vous les conserver parce que vous devez être en capacité de fournir, en cas de contrôle, soit de la part du financeur, soit de la part de la directe, le financeur, donc en l'occurrence, ça peut être un OPCO, soit dans le cas de contrôle de la directe. Prévu dans le conventionnement avec votre client. Ouais, enfin, c'est que le client a des exigences un peu particulières, quoi, hein, parce que. Je reprends la main juste pour dire, on n'est pas obligé de fournir, mais par exemple, nous, en tant que clients ou en tant que financeurs, nous, régions, quand on achète des formations multimodales, on demande en fait à ce qu'il y ait des preuves qui soient remplies en fait au fur et à mesure,
un certain nombre de, enfin sur des documents, hein, des preuves, enfin des preuves ou en tout cas il est demandé finalement au formateur de dire qu'est-ce que vous avez fait et aux apprenants, est-ce que vous reconnaissez l'avoir fait, est-ce que vous reconnaissez avoir appris, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait c'est déjà et parfois il peut y avoir des preuves avec. Voilà, je disais. Mais c'est plutôt sur du déclaratif, malgré Ah oui, tout. c'est sur du Voilà, déclaratif. on ne va C'est pas plutôt sur du remettre les résultats déclaratif, oui, des tout à fait. tests, dire que M. Jourdain a C'est obtenu ça. 66% à telle évaluation. Si on lui a demandé une production écrite, on n'a pas livré la production écrite au financeur. Par contre, effectivement, comme Christophe, tu viens de le préciser, on doit être effectivement en capacité. Alors, vous verrez que dans les textes, à la fois la DGEFP n'a pas été très exigeante là-dessus, mais en théorie, il est mieux de pouvoir effectivement lister. Hein, je ne l'ai pas encore chargé sur l'espace, mais je vais le mettre juste après, les deux documents qui peuvent effectivement être les documents à fournir, que sont, alors comme vous l'avez ici, qui est le certificat de réalisation. Donc, ce qui va être demandé le plus souvent, en accompagnement donc de la facture, au moment où vous allez effectivement facturer le client ou donc le financeur donc de l'action de formation, vous allez lui fournir avec le certificat de réalisation qui va d'indications sur ce qui a été fait, pas les résultats, mais ce qui a été fait. Donc, c'est à la fois l'organisme de formation qui s'engage sur l'honneur avec la signature de son responsable. Et s'il y a contrôle, je dois effectivement, si j'ai dit qu'il y avait une évaluation, si j'ai dit qu'il y avait une production, montrer la production de M. Poudrier, la production de M. Jourdain, etc. Parce que effectivement, je les ai collectés en cas de contrôle. Donc ce certificat de réalisation, donc on en reparlera tout à l'heure, donc on n'a pas trop de difficultés par rapport à ça, dans le sens où il est assez simple. Donc on a dans les particularités en termes de formalisme, il y a effectivement la convention de formation, je vais venir juste après, et ce certificat de réalisation qui remplace l'attestation, la bonne vieille attestation de formation ou attestation d'assiduité. Le certificat de réalisation est essentiellement destiné, comme vous voyez, aux OPCO, hein, pour ce qui va concerner OPCO et CEPIR. Mais c'est surtout, effectivement, ensuite, vous pouvez conserver le même document pour fournir à un client privé de façon à accompagner votre facture aussi par ce certificat de réalisation, un document sur lequel vous attestez que la personne a réalisé la formation qui était prévue. Alors, donc, dans la contractualisation avec les acheteurs de formation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Dans les obligations, j'ai effectivement cette convention, pardon, de formation pour donc les quatre types d'actions de formation qu'on a vues avant, qui concourent aux compétences. Et donc, dans le cas où elles sont financées sur des fonds publics ou sur des fonds donc mutualisés. À l'exclusion des actions qui sont réalisées dans le cadre du CPF, parce que le CPF a ses propres processus et ses propres documents. Donc ce ne sont pas des documents que vous avez vous à produire, à construire, puisque vous utilisez en fait automatiquement fournis en fait dans le cadre du processus du CPF, notamment via l'application Mon compte formation, compte personnel de formation. Voilà. L'autre obligation concerne effectivement le contenu et le contenu de la convention de formation. Et donc là, on a des éléments très précis qui doivent sur des choses que vous connaissez déjà, l'intitulé, l'objectif, le contenu de l'action. Peut-être quelque chose de nouveau, les moyens prévus. On est en mutualité. Est-ce que dans cette multimodalité, on a des séances qui se réalisent en salle, des séances qui se réalisent à l'extérieur, éventuellement en entreprise si on est en AFEST. Et pour la partie à distance, quels sont effectivement les moyens techniques et pédagogiques qui sont fournis dans le cadre de cette formation? La durée, la période de réalisation, c'est la période là, qui est
durée, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà. La période, on peut avoir une formation de 14 heures, mais qui se déroule sur une période de 3 semaines, par exemple. Qui est assez nouvelle. On doit une formation, elle doit avoir une date de début et une date de fin. Ce n'est pas quelque chose qui peut durer comme ça de façon indéterminée. Donc, elle est bien réalisée sur une période. Les modalités du déroulement, bien donc, c'est ce que j'évoquais donc en présence, à distance, etc. Comment est-ce que l'on suit? Quelles sont donc les évaluations intermédiaires qui viennent jalonner le parcours? Comment est-ce qu'on sanctionne la fin de l'action? Et puis le prix, les modalités de règlement, bien évidemment, qui y figurent. Donc il y a tout un ensemble de choses ici qui peuvent figurer soit directement dans la convention de formation, soit éventuellement dans le programme, si vous avez détaillé ces informations-là dans le programme de formation et que vous joignez le programme à votre convention de formation, bien, vous aurez à ce moment-là la possibilité exigences en fournissant les deux. Dans les contenus de l'action et les moyens prévus, j'ai parlé effectivement tout à l'heure, je crois que c'est voilà, que ça arrive juste après, et la question est arrivée dans le chat, donc je vais y répondre. Est arrivée la question effectivement du temps de formation. C'est une question qu'on ne se pose pas quand on fait que du présentiel, puisque le temps de formation, c'est le temps pour lequel la personne vient dans la salle, est avec le formateur, et donc si avec le formateur ils sont ensemble sur une durée de 7 heures par jour, eh bien si la formation fait 3 jours, eh bien, la formation fait 3 fois 7, 21 heures. Là-dessus, on n'a pas trop de difficultés. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à distance. Personne n'a consacré la même durée aux activités qui étaient à réaliser entre la séance de lundi et la séance d'aujourd'hui. Donc, en tant que formateur, moi je dois malgré tout, pour pouvoir conventionner avec mon client et un financeur, je dois effectivement estimer. Je ne peux pas simplement dire bah, la formation comme ça fait une durée approximative de. Je dois donc donner une durée moyenne dans le sens où c'est le temps moyen que les personnes d'un groupe sont censées réaliser. Puisque bien évidemment, ce n'est pas la moyenne du temps réel par chacun, puisque cette durée dont on parle, que ce soit la durée d'une activité ou la durée de l'ensemble de la formation, qui n'est jamais que la somme de toutes les activités, eh bien, il faut que je l'estime à l'avance. Au moment où je fais ma convention de formation, je dois bien dire que la formation est d'une durée de temps. Et donc cette durée de temps, eh bien, c'est une durée moyenne estimée. Moyenne, c'est-à-dire que j'accepte et le financeur et votre client acceptent que la durée puisse être exactement celle-ci ou qu'elle puisse être moindre ou, dans l'autre sens, qu'elle puisse être plus importante. Plus importante, ça ne veut pas dire qu'on va vous payer moins. Si elle est plus importante, ça veut dire qu'on va vous payer plus. D'impact sur le coût pédagogique. Votre coût pédagogique, il a été établi sur une durée moyenne estimée. Après, bien évidemment, ce sont les éléments de preuve qui vont nous permettre de montrer que la personne a réalisé le parcours de formation. Et donc, ça reflète quoi? Ça reflète l'un des éléments fondamentaux de la multimodalité, c'est l'adaptation au rythme d'apprentissage, aux besoins compétences nouvelles, à des modes effectivement d'apprentissage et des techniques d'apprentissage que l'on peut déployer qui font que d'un individu à l'autre, on a des temps d'apprentissage pour atteindre un même objectif qui peuvent être différents. Certains vont y passer peut-être un quart du temps parce que c'est une notion qu'ils connaissaient déjà, donc ils ont besoin simplement de se rafraîchir la mémoire et de faire l'évaluation si c'est l'évaluation qui est proposée. S'ils réussissent l'évaluation, eh bien tant mieux. Si ils s'aperçoivent au final, oui, tiens, et ça nous arrive tous, tiens, ce sujet-là, je connais déjà, j'ai déjà vu. Bon, allez, je vais directement aller à l'évaluation, je ne regarde même pas. Il faut que votre parcours, enfin, il faut que votre dispositif technique vous permette de faire ça. C'est très important que sur l'aspect technique, vous puissiez aller faire l'évaluation sans même avoir vu le contenu.
Parce que sinon, vous allez vous lasser. Si vous estimez que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous allez vous lasser avant de pouvoir effectivement atteindre l'évaluation elle-même. Donc, vous avez besoin, vous, à un moment donné, de vous dire, je vais m'évaluer. Si mon évaluation, c'est que finalement, et que j'ai des rétroactions qui me disent, ben, retournez voir tel point, tel chapitre, etc., et bien vous-même, vous allez finalement refaire le parcours de formation. Et puis, à l'inverse, enfin, ce deuxième cas de figure, effectivement, votre évaluation est bonne, c'est effectivement un sujet que vous connaissiez déjà, et vous y avez consacré peut-être 4 fois moins de temps qui était prévu par le formateur. Troisième cas de figure, plus exactement, eh bien, effectivement, c'est un sujet pour lequel vous n'avez vraiment aucune connaissance, il y a un vocabulaire qui est complexe, il y a des notions de base que vous n'aviez peut-être pas forcément, et vous allez avoir besoin d'y passer plus de temps que ce que le formateur avait estimé. Peut-être parce que vous n'aviez pas les prérequis, mais que vous avez malgré tout intégré cette formation-là. Peut-être que vous avez des difficultés sur un point particulier, ou peut-être que vous avez, vous, un rythme d'apprentissage qui fait que vous aimez prendre votre temps, revoir peut-être une vidéo ou relire un document 2 fois, alors que quand on est en face à face avec le formateur, on ne peut pas lui demander à chaque fois de répéter ce qu'il vient de dire. Donc, par contre, revoir la vidéo à chaque fois 2 fois, ça, personne ne vous l'en empêche, et vous aurez forcément un temps de formation qui va être plus important. Donc, c'est pour ça que pour répondre à ces différents cas de figure, on ne peut absolument pas être sur du réel, et donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas facturer et aucun financeur, aucun client n'accepterait de financer sur le temps réel de formation. Par contre, on aura besoin de collecter des informations sur ces activités de formation réelles, mais en aucun cas, ça ne changera la durée de conventionnement et la durée moyenne estimée. Alors, je vous ai mis ici un petit tableau parce que bon, moi, on travaille à Stratis, on travaille comme ça, et puis moi, je travaille comme ça depuis pas mal d'années parce que au-delà de l'aspect de la détermination de la durée moyenne estimée, c'est un travail très structurant qui est indispensable quand on fait de la multimodalité. De décomposer les actions de formation, on ne peut plus raisonner en disant la formation fait 7 heures, et 7 heures, ben voilà, on aborde ces sujets-là, hein, en restant évasif sur les sujets. On est obligé effectivement d'être beaucoup plus précis parce qu'on doit justement être en capacité de dire que l'activité numéro 1 qui consiste à télécharger un document, voilà, c'est un document que l'on doit lire. Je dois être capable de dire qu'elle fait 15 minutes. Elle a une durée moyenne estimée de 15 minutes. L'activité suivante, je sais par expérience que c'est une activité qui prendra 60 minutes à mon stagiaire. Et donc, puisque je suis obligé de l'annoncer dans mon programme ou dans ma convention de formation au choix, eh bien, vous devrez avoir fait ce travail effectivement de découpage, qui est un découpage plus ou moins fin. Vous n'êtes pas obligé de descendre au quart d'heure, mais pas frais, pas surprenant, effectivement, d'être obligé de descendre à ce niveau-là. Dans tous les cas, vous ne serez pas sur un découpage à la demi-journée. Ce n'est pas suffisant pour proposer des activités, à moins que vous ayez une activité qui fasse elle-même une demi-journée. Mais ce n'est quand même pas le cas le plus fréquent. Voilà, donc ça permet ce travail-là, donc ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi de scénarisation détaillée, hein, mais qui est sur la base d'une progression pédagogique, avec simplement, ben, j'ai effectivement une durée la plus précise possible, durée toujours moyenne estimée, le déroulement, les moyens techniques, et là par contre c'est intéressant en FOD parce qu'on y introduit des éléments qui sont propres à la formation à distance, les moyens techniques, par exemple le LMS, les modalités du tutorat, donc de l'accompagnement pédagogique, et moi je vous conseille, là il n'y a aucune obligation réglementaire, mais puisqu'on détermine le temps de formation de l'apprenant, essayez quel est le temps de formateur que vous allez devoir y mettre. Donc, quel est le temps de tutorat qui est estimé? Et vous voyez, j'ai pris justement cet exemple-là, qu'ici j'ai un temps stagiaire de 15 minutes, le tutorat, j'ai estimé que j'avais 30 minutes. Il n'y a pas d'équivalence, comme en présentiel, comme je vous disais au début, c'est 7 heures dans la même salle, donc c'est 7 heures formateur égale 7 heures stagiaire. Là, la durée d'apprentissage côté stagiaire n'est pas équivalente à la durée côté
formateur, donc en termes de tutorat, elle peut être supérieure, elle peut. Tout dépend des activités que l'on va mobiliser ici. Donc on a un énorme travail d'ingénierie pédagogique à faire sur les actions de formation pour faire ce découpage et estimer les temps stagiaires et les temps formateurs. Une fois qu'on a fait tout ça, parcours se déroule et ensuite qu'on collecte, donc puisque je vous ai dit qu'on allait simplement nous remettre donc un certificat de réalisation, mais je vais devoir collecter adapté, en partie électronique, peut-être en partie papier. Je vous conseille de tout passer en électronique, hein, malgré tout, puisque même aujourd'hui, différents financeurs vont nous demander des formats de ce type-là. Donc, je vais devoir collecter tout un ensemble, effectivement, d'éléments, sans perdre de vue la fameuse réglementation générale sur la. Oula, comme vous voulez, le règlement ou la réglementation, RGPD. Puisque à la fois vous avez vous une obligation de collecter et de conserver des données en cas de contrôle, mais vous devez respecter également le RGPD et faire que si une personne souhaite voir toutes ces données effacées, vous devez tendre, enfin, vous devez avoir cette possibilité. Vous devez lui donner cette possibilité. Très important dès le départ d'avoir une réflexion en interne. Vous avez très certainement, si vous êtes un organisme d'une certaine surface, vous avez très certainement un délégué à la protection des données. Et donc, il faudra réfléchir avec ce délégué à la protection des données. Qu'est-ce que l'on autorise? Qu'est-ce que l'on exige du stagiaire lui-même? Qu'est-ce qu'on lui demande d'accepter? Et notamment, vous serez certainement, de vue, comme nous le faisons de notre expérience personnelle, comme nous le faisons au sein de Stratis, c'est-à-dire que nous demandons à nos stagiaires d'accepter effectivement que nous collections et que nous conservions leurs données. Parce que si j'ai un contrôle, moi, de locaux, de la directe, je ne peux pas leur dire c'est Monsieur X. Non, Monsieur X, il n'existe pas. Ils veulent Monsieur Février, Monsieur Christophe Jourdain. C'est pas n'importe qui, c'est une personne en particulier. Et vous me dites qu'elle s'est formée, montrez-moi qu'effectivement vous avez des données à son nom. Si les données sont anonymisées, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, le stagiaire doit demander d'accepter de pouvoir conserver sur la durée légale les données relatives à son parcours de formation. Alors, il y a des débats sur la protection des données là-dessus, sur lesquels ce sont vraiment des débats de juristes sur effectivement cette conservation. Personne ne peut demander à ce que les données soient effacées, mais vous pouvez accepter du coup ou refuser d'effacer les données en fonction des options que vous aurez données au départ. Donc, ce qui est important, c'est ça, cohérence avec la politique générale de protection des données de votre organisme de formation, de façon à ne pas vous mettre dans une situation inconfortable au cas où. Qu'est-ce que l'on peut conserver d'autre? Des relevés de notes, par exemple. On a parlé d'évaluation tout à l'heure, donc il y a tout un ensemble effectivement d'évaluations qui peuvent être mises en place, des évaluations de positionnement en ouverture de parcours, hein, avant l'entrée en formation même, au moment de l'entrée en formation, dès le démarrage, des jalons, évaluations qui peuvent être utilisées comme étant des jalons tout au long du parcours. Toutes ces évaluations qui ne donnent pas forcément lieu à des notes, hein, comme ici, on peut simplement avoir une évaluation comme quoi le stagiaire a réalisé l'évaluation avec succès ou pas, si c'est pas noté, simplement il a fait son évaluation, c'est peut-être une auto-évaluation, même dans certains cas, de l'évaluation par les pairs, hein, donc ce ne sont pas les formateurs, mais ce sont d'autres stagiaires qui vont évaluer l'avancée ou l'acquisition de compétences ou le respect de la consigne, toutes sortes, en fonction de l'activité pédagogique que vous aurez demandé. Et donc, tous ces éléments-là, y compris donc bien sûr les évaluations qui permettent d'obtenir des notes, vont être conservés. Et donc là, il sera important de s'assurer
que on peut récupérer bien évidemment ces relevés de notes. D'autres formats, alors le précédent était fait à partir d'une plateforme de formation, hein, laquelle là on avait des notes, et donc à partir sur cette plateforme de formation, sur ce LMS, donc on a récupéré les notes, soit, comme vous le voyez au-dessus, individuellement, soit sur un petit groupe, hein, si on a que 4 personnes, c'est ici une synthèse collective et ici individuelle. Avec des outils comme certains que vous connaissez peut-être de type Google Forms par exemple, hein, qui permettent donc de faire des évaluations avec des scores, avec des notions de bonnes et de mauvaises réponses également. On peut récupérer les résultats soit sous forme graphique, et donc là ils peuvent être ils sont forcément anonymes si on est si c'est un résumé. Et on peut également les récupérer sous une forme de fichier de type Excel, de fichier tableur, avec les dates et les heures auxquelles la personne a répondu. L'adresse mail, là vous ne la voyez pas, c'est la colonne, je l'ai masquée volontairement, la colonne qui est ici. Le nombre de questions à laquelle, le nombre de bonnes questions obtenues. Donc là, on a les scores, hein, 6 sur 7, voilà. Et puis les réponses à chacune des questions, tous les éléments, hop, et vous avez vrai ou faux, et vous savez quelles sont les réponses qui ont été. Donc, voilà, ce sont des éléments supplémentaires que l'on va récupérer, que l'on va stocker, en cas où on nous demanderait effectivement à vérifier que telle personne de tel groupe a bien réalisé des activités. On a ici un autre type de statistiques, hein, et d'éléments qu'on va pouvoir collecter, des relevés de connexion de classe virtuelle. Alors là, ça dépend des outils. En l'occurrence, ici, en ce moment, là, on utilise Webex. Je ne saurais pas, ça serait intéressant d'ailleurs, Christophe, de regarder après coup si on a des éléments statistiques qui peuvent être exportés pour pouvoir les conserver. Il y a des personnes qui demandent à faire des copies d'écran, à ce que tout le monde mette sa webcam et faire une copie d'écran. Bon, le problème, c'est que tout le monde n'a pas toujours une webcam. Et puis, c'est quand même mieux d'avoir demandé préalablement aux personnes si elles voulaient bien qu'on capte leur image. Bon, même si ça reste à des fins administratives, c'est pas plus mal quand même d'avoir posé la question avant de faire la copie d'écran. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, moi, tout à l'heure, le monde l'a fait depuis, de mettre dans le chat, hein, votre nom, votre prénom et l'établissement dans lequel vous travaillez. C'est un élément. Si effectivement la personne a rédigé un message dans le chat, ben, ça me permet effectivement de dire, bah oui, regardez, monsieur un tel, il était là ce jour-là, pendant la classe virtuelle, puisqu'il a discuté ensemble dans le chat. Et puis donc vous avez des systèmes, donc des outils de classe virtuelle. Ici c'est SVI, hein, donc SVI c'est distribué en France par la société Classilio. Et donc SVI propose sur chacune des classes virtuelles qui sont organisées, donc un tableau de synthèse. Donc ici on a les noms des utilisateurs et puis la durée de connexion, l'utilisation du microphone, éventuellement l'utilisation, vous voyez, de la caméra ici, les documents multimédia éventuellement que la personne a téléchargés, est-ce qu'elle a partagé son écran, etc., etc. Donc toutes ces informations-là, qui sont des éléments en fait de tracking du dispositif de formation lui-même, sont synthétisées là dans une mise en forme qui est directement exploitable. Donc, quand on utilise une solution de classe virtuelle de ce type-là, c'est assez facilitant puisqu'il suffit d'aller télécharger le fichier juste après que l'on a terminé sa classe virtuelle. Et on stocke ça dans un dossier. Alors, petite synthèse des éléments de preuve donc, que l'on peut collecter. Bien, en amont, tout ce qui relève du positionnement, d'analyse des besoins, des prérequis. Alors je réponds à la question de Bertrand. SVI est payant? Oui, tout à fait. Alors vous avez un certain nombre d'outils de classe virtuelle qui sont payants. Je vous invite sur l'espace documentaire, on continue à former. Allez voir, il y a un pavé qui s'appelle Animer une classe virtuelle et vous avez des informations sur les classes virtuelles, justement, là-dessus. Et donc ça vous permet effectivement tous ces éléments-là de les. Donc SVI fait partie, enfin SVI ou Classilio font partie des classes virtuelles payantes au même titre que Webex, que Adobe Connect.
Une petite remarque que j'en ai, c'est une législation spécifique lorsqu'on utilise par exemple des sites web hébergés à l'étranger des exercices aux stagiaires. Conservation, non-conservation des données. La conservation et non-conservation des données, elle vous incombe à vous en tant qu'organisme de formation. Donc, si, quel que soit l'outil que vous utilisiez, qu'il soit en France, qu'il soit à l'étranger, vous ne pouvez jamais être sûr que de toute façon, vous pourrez aller récupérer les données. Il est préconisé, alors là, les juristes ne sont pas tous d'accord, mais quelquefois, ben, du coup, il vaut mieux prendre, comme on dit, ceinture et bretelles. La date est minimum 3 ans, donc 3 ans après la date de fin de formation. Les juristes disent qu'il y a un cadre, il y a un cadre connais pas, que je ne saurais pas vous expliquer, qui est fait plutôt référence à une période de 6 ans pour la durée de conservation des éléments. Et si vous êtes sur des financements européens, c'est 10 ans. Donc, que dans 10 ans, le prestataire auquel vous aviez utilisé pour faire des évaluations, est-ce qu'il aura, lui, sauvegardé vos données? Rien n'est moins sûr. Même vous pouvez très bien être amené à changer d'outil et faire que bah, les données ne soient pas forcément réexploitables d'un outil sur l'autre. Donc, vous avez grandement intérêt à vous faire votre propre sauvegarde de façon déconnectée de l'outil. C'est pour ça, je vous mets dans la rubrique pendant, hein, puisque c'est là qu'on va collecter le plus d'informations. Les logs de connexion qui peuvent comporter les temps de connexion des stagiaires, ce n'est pas une donnée obligatoire, ce n'est pas une donnée qui est suffisante non plus. On ne peut pas vous l'exiger, c'est-à-dire notamment un financeur qui vous dit bah, donnez-moi le relevé des temps de connexion. Les temps de connexion, c'est un indice parmi d'autres, c'est un élément de preuve parmi d'autres, c'est tout. Donc, mais gardez-les, si vous les avez, bien sûr, gardez-les. Consultation des activités, donc ça, c'est tout ce que les outils vont être capables de dire bah, monsieur un tel, je vais reprendre, bah, j'ai Jean-Luc, voilà mon homonyme. Jean-Luc s'est connecté, donc il a réalisé l'activité. On n'est pas forcé de savoir le temps qu'il y a consacré. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'effectivement, la plateforme a tracé que l'activité a été réalisée. C'est le principal. L'exercice des évaluations, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Des productions écrites, si vous demandez des réalisations, des productions. Alors, une production écrite, ça peut être aussi une photo, ça peut être une vidéo. Hein. Toutes sortes, effectivement, de productions. Hein, j'ai envie de dire, d'ailleurs, j'ai mis écrite, j'aurais dû mettre toutes sortes de productions. Écrite, audio, vidéo, photo, hein, toutes sortes de choses qu'un apprenant peut être amené à produire dans le cadre de l'activité qui lui est demandée. Tous les échanges, parce que si j'ai des échanges par mail, si j'ai des échanges par chat ou par des forums avec entre mes stagiaires et mes formateurs, bien évidemment, ça veut dire que la personne était présente dans le sens active, puisqu'elle a participé, elle a échangé. C'est comme quelqu'un qui parle en classe, qui fait quelque chose quand il est en salle de cours. Ben effectivement, ils étaient bien présents pour pouvoir échanger. Assistance technique aussi. Si la personne sollicite l'assistance technique, bien sûr, c'est qu'elle se formait. Les messages dans les forums, je viens d'en parler. Des copies d'écran dans certains cas, parce que quelquefois, les outils ne permettent pas de faire des extractions. Je reviendrai sur ce point-là. Après. Des copies d'écran peuvent être utiles. L'enregistrement ou plutôt les états de participation comme celui que je viens de vous montrer. Mais pourquoi pas conserver les enregistrements des classes virtuelles. Alors attention par contre à la taille hein, nécessaire pour le stockage. Parce qu'une classe virtuelle d'1 heure, ça a vite fait de faire entre 300 et 400 mégaoctets. Si vous en faites beaucoup et tous les jours, il va falloir quand même avoir l'espace de stockage suffisant. Et après être capable d'aller retrouver la personne au moment où elle a pris la parole éventuellement. Ça peut avoir un intérêt limité quand même. Les discussions dans le chat, par exemple, comme on est en train de le faire là, voilà, donc il ne nous a pas mis son nom de famille, mais c'est pas souci. Au-dessus, j'ai Bertrand Olivry. Voilà, Bertrand Olivry, je peux dire, ben, il était là, il a participé. Voilà la discussion dans le chat. Et puis ben, après. Ben on vous a dit, hein, ça fait partie des 3 conditions. Il faut qu'il y ait des évaluations qui jalonnent le parcours, à minima à la fin de la formation. Donc, évaluation des connaissances. Je ne précise pas quel est le niveau de fitness, hein, des connaissances, mais il faut proposer une évaluation des connaissances.
une évaluation de la satisfaction. Bon, ça, je dirais, ça vous renvoie à nouveau tout à l'heure à ce que je disais par rapport à Calliope. Dans le cadre de la certification de la qualité nationale, ben, vous devez de toute façon mettre en place aujourd'hui des dispositifs d'évaluation, au-delà de l'évaluation, de traiter éventuellement les écarts en termes de satisfaction, notamment. Donc, vous voyez que là, les exigences qui peuvent être amenées par la formation à distance ne font que rejoindre les exigences de Calliope. C'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt Calliope qui a rejoint des exigences qui sont déjà très anciennes en matière de FOAD. Dans tous les cas, ça ne vous fera pas. Alors, on a tout ça à réaliser. Moi, petit travail que je vous conseille. Alors, si vous travaillez tout seul, c'est plus facile. Mais si vous êtes dans un organisme de formation où vous êtes plusieurs, bien, il y a une petite matrice qui est assez sympa, je ne sais pas, mais utile, ça c'est sûr, à réaliser. Et bien, c'est de prendre en fait les différentes tâches relatives à la collecte des éléments de preuve et de dire qui en fait doit faire ça. Et vous voyez que matrice RACI correspond en fait à quatre niveaux. Alors tous ne sont pas renseignés. Vous voyez, j'en ai pris un ici. La collecte des informations du stagiaire, eh bien, qui le réalise? Eh bien, on peut imaginer que ce soit le formateur. Qui valide? Le responsable administratif, peut-être ici, qui valide effectivement, ou le responsable pédagogique, qui valide qu'à un moment donné, on a bien reçu, on a bien collecté toutes les informations relatives à la formation en cours, ou à la formation qui vient de se terminer. Donne un avis, c'est pas sûr qu'on ait quelqu'un qui ait besoin de donner un avis, là, en l'occurrence. C'est une matrice qu'on utilise en gestion de projet, hein, mais qui, je trouve, est assez pratique aussi ici. Et qui en prend connaissance, ben, on peut avoir un responsable qualité qui lui prendra connaissance, par exemple, de façon à simplement vérifier de temps à autre, sous forme d'échantillonnage, qu'on a bien réalisé ça. On a bien toutes les informations concernant donc la formation qui vient de se dérouler. Voilà, je vois qu'il est juste 14h01. Alors, pour prolonger le webinaire, ben donc, vous avez. On parle depuis tout à l'heure, l'espoir continue à former. Et puis vous avez, je vais aller rajouter encore des choses qui me sont passées à l'esprit là, juste avant que l'on démarre ce webinaire, notamment matrices, en fait, les exemples d'attestation de certificat de réalisation, pardon. Donc, que vous trouvez à partir du moment où vous connectez dans le cours donc, qui s'appelle les bases de la multimodalité. Et vous allez trouver donc des ressources complémentaires. J'y ai mis également, parce qu'on n'avait pas le temps de les traiter, mais je sais que ce sont des questions que vous vous posez en tant que formateur ou en tant que cadre pédagogique, qui sont les questions liées au droit d'auteur sur les formations à distance. On a toujours effectivement cette question hein, dans le juridique, il y a le juridique administratif dont on vient de parler, qui nous renvoie des questionnements sur la qualité également. Mais il y a également tout ce qui touche à l'utilisation des ressources numériques à partir du moment où on produit soi-même, où on est utile, ou alors parce qu'on est utilisateur de ressources numériques, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit d'exiger en tant que formateur? Qu'est-ce qu'on a le droit d'exiger en tant que entité qui paye, soit l'employeur ou qu'on soit le commanditaire, qui est l'auteur et qui détient les droits d'auteur ou les droits d'exploitation en fait d'une ressource numérique qui a été produite à l'occasion d'une formation ou à l'occasion d'un projet. Donc je vous ai mis un ensemble de ressources parce que c'est un sujet, notamment en France, parce que le code de la propriété intellectuelle est assez touffu, hein. Il y a beaucoup de choses en France, mais il y a des choses très importantes et très intéressantes qu'il faut prendre en compte pour sortir aussi des idées reçues, notamment comme quoi, parce que je suis l'employeur, tout m'appartient. Ce n'est pas parce que vous êtes l'employeur que vous êtes détenteur des droits d'auteur. Les droits d'auteur, ils sont inaliénables, ils appartiennent à celui qui effectivement en est l'auteur. Mais il y a tout un ensemble de choses qui effectivement délimitent les droits et les obligations de toutes les parties sur ce sujet.
Voilà. Alors, pour terminer, ce que je vous propose, c'est un petit questionnement à chaud. Et je vais vous demander si vous avez. Alors, soit vous pouvez le faire à partir de votre PC, soit si vous avez votre smartphone à côté. Il suffit effectivement de vous connecter en tapant dans la barre d'adresse menti.com. Et ensuite, vous irez rentrer le code, qui est là. Moi, je vais. Et là, basculer d'ailleurs. Vous rassure, je vais qui va vous montrer. Normalement, alors vous retrouvez menti.com. Que vous avez à faire soit sur votre smartphone ou dans une fenêtre, une autre fenêtre de votre PC, hein, éventuellement, un autre onglet. Vous tapez le code 93 87 23. Et donc, la première chose que je vous propose, c'est de noter vos remarques et réflexions comme ça à chaud sur le cadre réglementaire de la multimodalité. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça à la première réflexion, après avoir écouté ce que je viens de vous dire. Voilà. Et normalement, ça devrait s'afficher ici. Je fais un petit aparté, mais on a aussi lors des webinaires, on continue à former. On avait un webinaire sur les, alors je sais plus si c'est sur les outils collaboratifs ou sur les outils de questionnement à distance où on propose Mentimeter. Voilà. Donc n'hésitez pas à retourner dessus. C'était un webinaire animé par Isabelle Dremeau. Ce qui est intéressant d'ailleurs, pendant que vous, voilà, on met beaucoup de nouvelles informations à s'approprier, voilà, pendant que vous nous mettez vos remarques et vos réflexions sur cette réglementation de la multimodalité, des outils comme celui là qu'on utilise ensemble à cet instant sont à la fois des outils qu'on peut utiliser en face à face et qu'on peut utiliser à distance. D'ailleurs, ils ont assez souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas été conçus pour la distance. Et quelquefois, même des outils de réunion, hein, si vous connaissez un outil qui s'appelle Klaxoon, hein, qui est aujourd'hui très réputé, ça a été conçu avant tout pour animer des réunions, même pour animer des grands séminaires. Et puis, finalement, on s'est aperçu que c'était super utile et super intéressant pour animer des formations présentielles. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on peut aussi l'utiliser pour de la formation à distance. Donc, on mixe les outils de la formation. Alors, ça me permet de revenir sur un point que j'ai zappé tout à l'heure. J'avais dit que je reviendrais dessus, je l'ai oublié, mais du coup, ça me permet de faire ça. C'est qu'il faut que vous ayez à l'esprit, quand vous allez choisir des outils, que ces outils permettent effectivement de collecter des informations. Parce que, bien sûr, on trouve de multiples outils gratuits sur le net, et je reviens du coup. Je crois que c'était Bertrand tout à l'heure qui disait, bon, si c'est à l'étranger ou en France, est-ce que ça change quelque chose? Je résume un peu comme ça. C'est surtout que si vous avez des outils gratuits et que demain l'outil devient payant, il va falloir que vous payiez pour accéder aux résultats, ou pire, que l'outil disparaît, dans ce cas-là, si l'outil disparaît, vous n'avez plus du tout les traces et vous allez être bien embêté le jour où on vous demandera. C'est pour ça que de ces outils de type Menti, qui est en l'occurrence permet entre autres ici de faire, moi je vais en faire une captation tout à l'heure et je vais récupérer un PDF, un fichier PDF avec toutes vos annotations là. Et je vais le conserver et ça va être un élément de preuve supplémentaire. Et c'est pour ça que ces outils-là, le plus souvent, doivent être couplés dans les formations à l'utilisation d'un LMS parce que le LMS, lui, il a été prévu pour ça. Il a été prévu pour construire des parcours de formation, mais il a été prévu
individus aussi pour tracer les activités de formation et être capable de les restituer le plus facilement possible. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Merci pour vos précisions. La question du temps de formation à revisiter, oui, vous avez raison. Hein, il faut découper. On ne peut plus faire autrement. On ne peut plus faire autrement. On ne peut plus dire, bah, tiens, je vous vends une formation de 3 jours. Le client, lui, il va dire, bah, oui, mais il y a quoi dans vos 3 jours? Qu'est-ce que vous faites faire? C'est quoi les activités? Combien de temps est-ce qu'elles prennent? Il est en droit de demander ça. Il est d'autant plus en droit sur le plan de la qualité, mais par rapport à ce qui est demandé par la loi. Donc, réglementation qui nécessiterait faire le contrôle de pratique. Outil similaire au chat, ça peut être utilisé comme un chat, oui. On peut utiliser Mentimeter, par exemple, sur une réunion ou autre chose, et les gens peuvent mettre effectivement au fil du déroulement des messages. Voilà. Des moyens humains pour construire, piloter et accompagner cette démarche. Oui, c'est une question. Alors, on l'évoquait avec Sylvain Vaccarès qui est venu avec nous il y a 15 jours où on a échangé sur ce temps de confinement, la formation à distance, comment ça s'était mis en place. Et le constat qu'on se faisait l'un et l'autre, c'est que, eh bien, effectivement, la formation à distance, dès qu'on passe un certain volume, il y a effectivement une charge administrative qui est non négligeable, qui est bien plus importante que simplement faire la photocopie des feuilles d'émargement, et donc qui nécessite une organisation particulière et d'avoir des moyens, des moyens humains. Alors ça, moi, je ne vais pas dire que je l'avais prédit il y a 10 ans, mais il y a très longtemps déjà, où je dis attention, on a quand même un risque d'engorgement des services administratifs à vouloir être très très exigeant en matière d'éléments de preuve, quoi. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ces éléments de preuve font qu'on gagne, on l'espère tout du moins, en reconnaissance, et aujourd'hui, au-delà de ce qu'on est, continuité pédagogique et la crise du Covid, on a effectivement besoin de reconnaissance et de montrer que la formation à distance est une vraie formation. Sachez, alors je me permets aussi, puisque c'est des questions sur lesquelles on a longuement débattu à la région avec vous, en tout cas avec les organismes de formation qui font de la multimodalité, à qui on demande de la multimodalité depuis 8-9 ans, que ce soit la question des temps de formation. On a eu des discussions très longues là-dessus pour se dire, mais finalement, quand on va vous acheter, nous, de la formation, et qu'on continue à acheter, et qu'on, pour l'instant, les marchés publics nous obligent à continuer à acheter des heures de formation, qu'est-ce qu'on va prendre dedans, qu'est-ce qu'on ne va pas prendre, etc., etc. Sachez que, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je pense qu'il y a de quoi durer 3 ou 4 heures, mais sachez que c'est des choses, on n'a jamais fini d'en parler, hein, j'ai envie de dire. Et c'est comme sur les éléments de preuve, on a eu il y a quelques années aussi beaucoup, beaucoup de discussions avec les organismes de formation. On essayait de trouver, en fait, le juste milieu, comme tu disais, Jean-Luc, entre dire, ben, attention, demain on a des formations où le FF, qui sont cofinancées par exemple par le Fonds social européen et sur lesquelles il faut absolument qu'on ait des preuves tangibles importantes parce qu'ils peuvent nous embêter là-dessus, et puis d'autres où on va être moins exigeant, etc. Et du coup, on essaie de trouver on essaie de trouver la juste valeur, hein, qui va vous permettre de ne pas non plus prendre des unités de stockage énormes, voilà, qui vont vous coûter aussi très cher, mais qui aujourd'hui, on en a bien conscience, rentre aussi dans vos coûts, hein. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que quand vous vendez une formation, vous vendez aussi ce que vous coûte l'espace de stockage de toutes ces informations. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que on n'a pas toutes les réponses en une heure, hein. C'est bien évident. L'idée aussi de ces webinaires, c'est de montrer un petit peu, c'est de faire émerger en fait finalement toutes les problématiques qu'il y a derrière la multimodalité. Mais sachez que, alors que ce soit, moi je parle en tant que région parce que je suis à la région, mais je sais que les OPCO aussi s'emparent de cela. Alors, pas malheureusement, pas toujours de la même manière, et il n'y a pas toujours d'accord entre les OPCO, mais ce sont des vraies questions qui amènent à des conventionnements, qui amènent à des négociations, surtout, hein, quand vous vendez des formations, et qui petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des schémas aussi qui vont apparaître. Tout à l'heure, on a beaucoup de discussions sur les temps de formation, les temps de tutorat, et on a
là, on se rend compte quand même que grosso modo, allez, on a un tiers des apprenants qui ont besoin d'un tutorat renforcé, un tiers, c'est comme si on était en présentiel, et un tiers, à la limite, ils se débrouillent sans nous, et quand ils sont en présentiel, à la limite, on ne les aurait pas devant nous, ça ne changerait rien, etc. Ça permet d'avoir petit à petit des grands schémas qui vous permettent de dire, bon, ben, demain, je sais que quand je vends une formation, je sais que mon tutorat me coûtera à peu près tant de temps formateur, etc., etc. Mais on apprend tous en faisant. Il faut être clair. Et puis entre une formation métier et puis une formation peut-être sur sur des techniques de vente ou sur sur un argumentaire produit qu'on va retrouver dans le monde entier sur le même produit, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Voilà. Très bien, bah merci. Certains d'entre vous nous ont gratifié effectivement de petites appréciations, enfin, ont gratifié sérieusement, pas spécialement moi. Voilà, si vous avez 2 secondes pour ajouter, voilà, c'est une façon aussi, une autre façon de proposer aux gens à travers un nuage de mots, de donner en un ou quelques mots leur avis, leur sentiment sur ce qui vient. Voilà, certains doivent nous quitter. Nous sommes un petit peu en débordement de l'horaire prévu. Je vous prie de m'en excuser. Merci dans tous les cas pour votre participation. Et puis, bien, lundi prochain, même heure, vous retrouverez Guillaume Saint-Jean, donc avec Christophe, bien sûr, pour poursuivre. Donc, si. Et puis, donc, entre-temps, vous vous connectez sur la plateforme. Vous allez y retrouver des informations, des ressources complémentaires pour poursuivre l'apprentissage sur cet aspect plutôt autour de la réglementation. Voilà. Merci, je vous souhaite un très bon après-midi. Merci à toutes et tous et bonne après-midi, bonne semaine.